L'exposition s'intitule « Je sors ce soir » et c'est un projet un peu particulier parce qu'il va réunir des œuvres que j'ai faites il y a plus de 10 ans, que je n'ai pas montrées depuis très longtemps et que je vais présenter aussi avec d'autres artistes que j'ai souhaité inviter sur ce projet, que j'ai réunis à la fois parce qu'ils ont un travail qui, moi, m'intéresse particulièrement, mais aussi parce que leur travail colle un peu cette thématique. « Je sors ce soir » fait d'abord référence à un ouvrage de Guillaume Dustan, qui est un écrivain que je lisais, enfin que j'ai découvert quand j'étais post-adolescent, on va dire, et qui a un peu accompagné ma jeune sexualité en arrivant à Paris. Je voulais un peu juxtaposer la vision de Guillaume Dustan, qui est une vision plutôt parisienne du clubbing, à une vision que moi j'ai connue, étant adolescent, de la sortie un peu plus rurale. Et j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur cette ruralité. Donc l'idée, c'était à la fois de rendre un peu hommage à Guillaume Dustan, mais aussi d'exacerber la vision de la fête, de ce rituel, comme je l'appelle souvent, de la sortie du week-end, du samedi ou du vendredi. Là, on est plus calé sur la sortie du samedi, cette espèce de mythologie qui était assez présente dans les années 80-90, où toute la semaine, on attendait de pied ferme que le samedi arrive pour faire quelque chose d'un peu plus intéressant que ce qui se passait la semaine, quoi. Ce projet est lié à un autre projet qui s'intitulait « Boîte de nuit » que j'ai fait au Centre Pompidou il y a un peu plus d'un an maintenant. C'était une sorte d'exposition-workshop qui était destinée à un public adolescent. Donc l'idée, c'était d'avoir à la fois une scénographie assez présente, on va dire, mais dans laquelle les ados pouvaient apprendre à mixer, apprendre à danser, apprendre à faire des fresques géométriques en peinture fluo, ce genre de choses. Et comme on était sur un public adolescent, j'avais un peu envie de le ramener sur un public adulte. L'idée, c'est de créer à la fois une sorte, je dirais pas une exposition spectacle, mais on appelle ça un show en anglais. Et du coup, je trouve que le mot show, ça me convient tout à fait. Les pièces qui sont présentées, pour la plupart, vont être détruites après, et sans regret, ou recyclées, parce que j'essaie de faire attention aussi à tout ça. On rentre vraiment dans cette logique de spectacle, finalement. C'est un show qui dure 3 semaines. L'idée, c'est de raconter, pas forcément une histoire, mais d'avoir cette sorte de dramaturgie quand même dans l'exposition, qui amène le public quelque part, tout en n'étant pas non plus trop directif, pour lui laisser aussi l'occasion et la possibilité d'interpréter les choses. Moi, j'ai toujours assimilé les discothèques comme étant le dernier temple de l'homo sapiens, plus ou moins, qui incarne un peu la croyance de l'homme occidental. Et c'est une sorte de dernier rituel qui nous fait nous réunir tous ensemble et pour un peu oublier aussi la vie diurne qui n'est pas toujours joyeuse. J'ai toujours eu cette intérêt pour la postmodernité et comment elle s'est accaparée de manière assez efficace, mais presque en n'en ayant un peu rien à faire, cette esthétique de l'Antiquité. Et les discothèques, c'est un peu les endroits rêvés pour ce genre de choses. L'Antiquité en carton-pâte, en discothèque, c'était quand même le summum. Et c'est aussi pour ça que les discothèques m'intéressent. C'est pas seulement pour ce qu'elles véhiculent comme dans ce rapport au rituel et à la fête, mais c'est aussi dans ce moyen qu'elles ont mis en œuvre pour créer des décors un peu grandiloquents, mais en même temps toujours un peu en carton-pâte. Et en fait, cette expo, elle est un peu en carton-pâte aussi. Tout ça, c'est aussi l'histoire du kitsch, c'est-à-dire à un moment donné, au 19e siècle, du fait de l'industrialisation, on commence à pouvoir créer en série des objets qui ont très peu de valeur et qui sont accessibles à tout le monde. C'est comme ça que la classe moyenne et la classe populaire vont pouvoir s'accaparer ce qu'ils ne pouvaient pas avoir avant, quand même calqué sur le modèle bourgeois du bon goût, ce genre de choses, ce qui ne va pas la déranger, puisque l'idée, c'est de faire comme si. Et j'aime cette idée du comme si, et je trouve ça presque plus intéressant d'avoir un comme si à la maison que d'avoir l'objet original.
Cette histoire du bon goût, elle est, est toujours un peu relative. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est à chaque projet, j'ai l'impression de dépasser une limite en plus sur cette histoire du bon goût, qui est quelque chose qui m'agace terriblement, et finalement, qui est une vision complètement bourgeoise. Je suis amoureux d'une esthétique qui est complètement propre aux années 80-90. J'adore l'histoire humaine, sociale, technologique des années 80-90, certainement parce que je l'ai vue aussi. L'histoire du Minitel, par exemple, moi, c'est une histoire qui me passionne. Et le Minitel, on le retrouve de manière récurrente dans mon travail aussi, par exemple. Ce qui m'intéresse aussi dans ces projets, c'est qu'à un moment donné, il y a un échec. Et j'ai une fascination pour l'échec. On avait tout pour avoir inventé Internet en France, puis finalement, les Américains l'ont fait beaucoup mieux, et puis le Minitel s'est retrouvé être un objet qui ne sert plus à rien, voilà. Alors qu'on était les précurseurs finalement dans cette technologie. La fin du monde, c'est quelque chose aussi qui intervient un peu de manière récurrente dans cette histoire des échecs successifs, notre échec en tant que civilisation. L'échec qui me fascine le plus, je pense. Je trouve ça incroyable qu'on ait complètement conscience que ça va arriver et qu'on ne fasse rien, pas grand-chose pour que ça n'arrive pas. Et en même temps, je pense que ça, c'est quelque chose qui me nourrit constamment. Enfin, moi, c'est une angoisse aussi, mais en même temps, elle me passionne tellement que si elle n'était pas là, peut-être que je ne créerais pas les mêmes choses, par exemple. Cette épée de Damoclès, je la trouve incroyable.